Vous recherchez une glacière à compression, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures glacières à compression qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, contrairement à des glacières traditionnelles qui dépendent de la glace ou voilà, des blocs de glace pour maintenir une température basse, une glacière à compression va utiliser un compresseur pour extraire la chaleur de l'intérieur de la glacière pour la rejeter à l'extérieur, ce qui va permettre de maintenir une température qui sera plus stable à l'intérieur, donc c'est carrément plus efficace. Le désavantage, c'est que c'est quand même bien sûr des appareils qui sont aussi plus coûteux. Mais au moins, ça vous permettra de garder au frais avec des niveaux de température plus bas pour mieux conserver des aliments et les conserver plus longtemps. Donc, pour le camping, les barbecues, les pique-niques, ce genre de choses, c'est quand même très intéressant. Je vais donc vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et si vous souhaitez commander un des produits présentés, il y aura tous les liens en description. On va commencer avec la Mobicool, donc glacière à compresseur avec un volume de 38 litres, ce qui est quand même pas mal. C'est une assez grosse taille, même si on en verra une un peu plus grande. Il y aura des très très bonnes évolutions à 4,7 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 360. Et le prix sera le plus cher de la sélection, mais c'est clairement dans la gamme des prix, hein. C'est effectivement pas donné ce type de glacière, mais ça a beaucoup d'avantages, comme on l'a vu juste avant. Donc vous aurez une isolation en mousse de polyuréthane de bonne qualité avec un caisson extérieur et intérieur en polypropylène, une poignée ABS avec une serrure, une cloison de séparation amovible avec un affichage digital de la température que vous pourrez régler. Donc au moins vous aurez une indication fiable en fonction de ce que vous devez conserver, une lumière intérieure et bien sûr c'est normé au niveau des règlements énergétiques, etc. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que vous avez donc pas mal d'espace, vous pourrez aller jusqu'à moins 10 degrés sans aucun souci. Ce sera très précis au niveau du réglage de la température. Donc vraiment, c'est un produit très intéressant. C'est rare d'avoir 4,7 étoiles, hein, donc c'est aussi le produit le mieux noté de cette sélection, donc je vous le recommande. Vous pourrez voir plus d'infos en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente, c'est la Dometic, donc glacière portable à compression. Celle-ci aussi sera très bien notée, cette fois-ci 4,6 étoiles sur 5, sur plus de 2500 évaluations. On aura un prix très nettement plus bas, mais pas de grosse différence. Mais par contre, elle sera beaucoup plus petite. Cette fois-ci, on n'aura que 21 litres au niveau du volume, même s'il existe un modèle à 18 litres et un modèle à 31 litres, si vous voulez un peu plus de place. On aura une puissance de réfrigération, même à des températures extérieures qui seront élevées, avec une fonction de réfrigération et de congélation compacte, simple à utiliser avec un éclairage intérieur encore une fois, un affichage bien sûr digital de la température avec un panier intérieur amovible. Donc ça pourrait être utilisé d'ailleurs dans un véhicule sans le moindre souci. En théorie ça pourrait aller jusqu'à moins 18 degrés, hein, donc ça peut vraiment conserver des produits qui sont congelés sans aucun souci. Vous pourrez voir plus d'infos sur ce modèle, mais en tout cas, ce sera le deuxième, le mieux noté de cette sélection. Et on va terminer avec un dernier, c'est le modèle Alpicool, glacière électrique à compression. Ce modèle sera le plus grand en termes de taille. On aura un volume de 50 litres avec deux variations, une à 36 et une à 60 en fonction de vos besoins. On aura un refroidissement rapide avec un double contrôle de la température. Ce sera facile à déplacer. Comme on l'a dit, vous aurez une très grande capacité. En seulement 15 minutes, vous pourriez arriver vers les 0 degrés et au bout de plusieurs heures, ce sera vraiment, ça pourrait aller beaucoup plus froid. La capacité, elle va quand même dépendre de la température extérieure, mais en théorie, ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés sans trop de soucis. Donc, ça devrait totalement suffire. C'est bien pour le camping, etc., puisqu'elle est facile à déplacer, comme vous pourrez le voir, il y a des roues, etc. Donc c'est vraiment aussi un très bon point. Malheureusement, elle est un peu moins bien notée que les autres. 4,4 étoiles sur 5, qui est aussi moins d'évaluation. Mais par contre, elle sera quand même moins chère d'une centaine d'euros par rapport aux autres. Donc ça fait aussi un avantage.
Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures glacières à compression qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou aller voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou voilà, plus d'infos, cliquez sur les liens en description, vous pourrez voir tout ça plus en profondeur. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.